L'intelligence artificielle s'est avérée ces dernières années raciste, sexiste ou encore homophobe. Il serait alors logique de lui attribuer un sexe, puisque tous ses comportements sont propres à la nature humaine. Mais qu'est-ce que l'IA ? Il est important de ne pas contribuer aux bigotes ambiantes concernant l'IA. Certains s'en méfient, d'autres lui donnent des capacités qu'elle n'a pas en lui accordant une confiance totale. Ces deux attitudes montrent une nécessité de démystifier l'IA. L'IA est une affaire d'homme. Aujourd'hui, le machine learning, ce qui s'en rapproche le plus, est le résultat de millions d'intelligences humaines, à l'instar des Turk Farms d'Amazon. Au-delà de cet exemple, l'intelligence artificielle est le fruit de la réflexion de milliers d'équipes d'ingénieurs, majoritairement masculines et blanches. Équipes qui sont responsables aujourd'hui des imperfections, c'est-à-dire des biais de l'IA, comme nous le rappelle Yann Lequin. Il est donc tentant de croire que l'IA est de sexe masculin. Mais comment expliquer Siri, Cortana ou les autres ? Aujourd'hui, les grands groupes développent des IA qui prennent la forme d'un compagnon féminin et dont l'objectif est de nous accompagner dans toutes nos décisions. Les différentes études menées par Karl McDermott montrent que nous préférons écouter et être guidés par une voix de femme car perçue comme une voix de conseil. C'est donc un choix stratégique que d'utiliser des voix féminines pour les IA. On peut penser, à l'image de Michel Abel-Palan, que de donner un caractère féminin à l'IA est le reflet d'une structure de pouvoir traditionnelle. Alors, homme ou femme ? Finalement, un peu des deux. En réalité, façonner une créature est un des rêves les plus anciens de l'humanité. L'homme, tel un créateur, choisit le sexe de son automate ou de son IA comme s'il voulait remplacer Dieu. Si l'on parcourt l'histoire, on peut voir que les ancêtres de l'IA ont eu toutes les identités possibles. La structure de la société, la culture, l'utilité sont des facteurs déterminants et décisifs dans l'attribution du sexe de l'IA. Would you like your OS to have a male or female voice? Mais ce n'est pas tant son sexe qui importe, mais plutôt comment et pourquoi elle l'obtient. Nous voulons une IA qui éradique tout biais dans sa réflexion, qui soit la neutralité incarnée. De nombreux experts s'accordent pour dire que cette situation est possible si, et seulement si, tous les concepteurs prennent conscience de tous les biais et parviennent à les retranscrire dans les algorithmes.